Je vais devoir vous apporter des conseils exceptionnels qui vont effectivement changer votre vie. C'est ce que je souhaite en tout cas dans quelques instants. Je pense que là, effectivement, l'attente va devoir se faire pardonner. Donc là, on va avoir des très bons conseils d'Evelyne qui va se surpasser. Dans 2 minutes, je le souhaite, elle va arriver. Dans très peu de temps, on a 3 personnes qui sont sur le sujet. Je suis vraiment désolé parce que votre temps est précieux. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, mais on va avoir Evelyne, dans quelques instants, on a Evelyne qui est là. Evelyne, c'est formidable, je vous embrasse, Evelyne. Coucou Thibaut, bonjour à tous, désolé pour le retard. Je me suis fait un peu attendre. J'ai l'impression que ça va me coûter cher maintenant. Alors là, Evelyne, il y a un challenge. On a 15 minutes de retard, donc qu'est-ce qu'on fait quand on est en retard? Moi, c'est une clé que j'ai appris dans la vie. Je suis systématiquement en retard à mes rendez-vous, mais qu'est-ce que je fais quand j'arrive en retard? Je donne le maximum, je donne tout. Voilà. Surtout, ne jamais arriver à un rendez-vous en avance. Pourquoi? Parce que quand vous avez en retard, vous êtes obligé de tout donner ensuite. Donc, Evelyne, là, il y a 45 minutes. Ça va être les plus belles 45 minutes de toute ta vie, Evelyne. Parce qu'il faut bien sûr justifier effectivement ce temps. Ils ont attendu pour toi, Evelyne, un sujet important aujourd'hui, les 4 profils psychologiques. En fait, c'est fondamental. Pour moi, c'est presque c'est pas une découverte, mais finalement, on pense tous savoir des profils psychologiques. On sait qu'on a tout compris sur le sujet. Et c'est vrai que finalement, on croit que le monde ressemble un peu à ce qu'on est parce qu'on a un profil dominant. Voilà. Et on ne comprend pas que les gens sont différents, nos clients sont différents et qu'on doit communiquer avec eux de façon différente. Moi, ça, je le constate chaque jour. Moi, j'ai des commerciaux, 20 commerciaux chez Vitry Média, et je sais qu'il y a des commerciaux qui pensent souvent que ce sont les mêmes en face d'eux. Eh bien non, si on adopte un mode de comportement et une communication différente, on est beaucoup plus efficace et surtout le client est satisfait puisqu'on parle son langage. Donc ça, c'est un point important. Evelyne, donc les conseils sur le sujet. On est prêt, Evelyne, on t'écoute, c'est à toi. Tu m'entends bien? Je peux y aller? Ah oui, on est parti. Voilà. Donc maintenant, Thibaut, tu m'en as déjà assez dit, je sais dans laquelle des 4 catégories je vais te mettre. Je vais l'expliquer tout de suite après. Bonjour à tous, merci pour votre présence, votre soutien. C'est quelque chose qui me touche personnellement puisque je suis agent immobilier. Mais ce n'est pas vraiment à ce titre, quoique, que je suis là aujourd'hui. En fait, avant d'avoir commencé le métier d'agent immobilier il y a 20 ans, alors oui, j'ai un accent belge, hein, ça, je ne peux pas le cacher, mais j'ai travaillé dans les études de marché. Et moi, j'aime les maths, j'aime les chiffres. Mais j'ai été initiée aux techniques psychologiques et j'ai découvert des choses. J'ai découvert notamment qu'en fait, et c'est horrible, et là beaucoup d'entre vous vont se fermer, qu'il ne suffit d'avoir seulement 12 personnes pour avoir une tendance de marché et qu'en plus c'est prédictif. Donc c'est assez étonnant de se dire, mais non, on est tous différents, mais je vais vous dire, c'est bullshit. On regarde tous Netflix, on est tous sur Facebook, Insta et autres. On a tous, en fait, on peut catégoriser. Alors là, ouh, il y en a qui vont pas aimer, hein, catégoriser, je vais y arriver. Néanmoins, c'est comme ça, c'est ainsi fait, on peut catégoriser les profils psychologiques en 4 profils psychologiques. Alors, on peut descendre dans des sous-profils pour en avoir 4 fois 4, 16, mais on va faire simple parce que pour pouvoir analyser les choses, il faut simplifier. Donc, généraliser. Donc, ne me dites pas, et j'en vois certains d'entre vous qui sont comme ça, fermés, oui, mais la Belgique, c'est pas la France, oui, ben, en Belgique, oui, mais Bruxelles, les grandes villes, c'est pas la campagne. Je peux vous dire que les clients sont les mêmes partout, que l'on soit en Belgique, en France, en Suisse, au Canada, quand j'entends mes confrères, nos confrères italiens ou aux États-Unis, on a tous les mêmes. Voilà, alors évidemment, on a quand même des petites particularités qui font quand même qu'on est unique, heureusement. Donc, ce qui est super magique, c'est qu'une fois que vous avez compris les 4 profils, c'est horrible, mais désolé de te décevoir, Thibaut, mais oui, c'est de la manipulation. Alors, ça restera entre nous. Hein. Mais ça ne me gêne pas de manipuler si c'est pour un bon objectif, c'est-à-dire que les clients nous achètent, on sait qu'il vaut mieux qu'ils nous achètent plutôt qu'à la concurrence ou qu'ils prennent un mandat chez nous. Bref, je regarde en même temps mes petites notes puisque je dois aller super vite et ne pas trop me répéter. Donc, ce que je vous demande, sans comprendre là où je vous emmène, c'est de me suivre pendant ces 45 minutes récentes pour, à la fin, au moins prendre conscience qu'il y a bien ces 4 profils et comprendre leur mode de fonctionnement. Alors, vous ne serez pas… ce ne sera pas un master en psychologie à la fin du webinaire, mais je vous inviterai à la fin, Thibaut vous fera suivre les informations, je vous enverrai les 4, ou en tout cas la playlist pro YouTube de ma chaîne, où vous avez les 4 profils qui sont repris et les erreurs à ne pas commettre, parce que je me doute bien que vous n'allez pas devenir des pros directement après 3 quarts d'heure, mais néanmoins, je vous invite à écouter en voiture. Alors, je n'ai pas dit regarder la vidéo en voiture, c'est de l'auditif, mais de regarder les vidéos, de les écouter, oh, c'est juste au contraire, pour pouvoir vous remémoriser les choses. Alors, tout est parti du fait que il y a 2-3 ans, je manquais de chiffre d'affaires. Alors, moi, je déteste prospecter. Je ne prospecte jamais. J'ai horreur de ça. Enfin,
Si je suis honnête, je fais un petit peu de prospection passive, mais voilà. Il me manquait du chiffre d'affaires et puis je regardais un peu mes clients, hein, mon chiffre, et puis j'ai fait le constat que tous mes clients étaient finalement un peu comme moi. C'est des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, voilà, des gens assez, des winners, des battants. Et puis je me suis dit quand même, c'est un peu embêtant parce que je dois en louper d'autres. Et là, effectivement, et toute la chose, c'est qu'en général, on s'entend bien avec les gens qui nous ressemblent. Donc, on attire les gens qui nous ressemblent. Mais on ne s'en rend pas compte parce que la plupart de nos amis, ben, sont comme nous, forcément, puisqu'on s'entend bien avec eux, hein, on choisit ses amis. Et donc, ils nous confortent dans nos croyances, dans notre façon de faire. Par contre, en étant soi-même, comme il y a 4 profils, vous comprenez directement qu'en fait, on va être peu aimé, voire parfois détesté des 3 autres profils, donc des 3/4 de la population. Donc, en étant soi-même, on va rater 3/4 des clients. Alors que ce soit client, attendons-nous bien, ce soit des propriétaires vendeurs, hein, vous vendez votre service, on est des commerciaux, on vend notre service, ou ce sont des acheteurs, hein, on a plus 2 niveaux de clients. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi essayer de comprendre et partir de soi, parce que pour pouvoir comprendre les autres, il faut déjà savoir dans quelle case on se met. Et tu vas voir Thibaut où je te mets tout de suite. Et alors, par contre, je fais une petite parenthèse, et c'est ça qui est très amusant, et je vous invite le soir, ce soir même, à le faire, c'est qu'en amour, contrairement, ce sont les opposés qui me fonctionnent. Donc, en général, en amour, on est attiré par son opposé, ce qui crée un équilibre, une harmonie, mais qui ne dure pas. Parce que très vite, après quelques années, donc chers agents, si vous êtes en couple depuis au moins 5 ans, vous allez voir que ce qui vous attirait chez votre conjoint a le don de vous énerver aujourd'hui, puisque ce sont des caractéristiques que vous n'aimez pas. Et donc là est toute l'histoire à comprendre. Alors ceux qui nous quittent après, mais au moins ayez retenu ça, j'espère quand même que je vous tiendrai jusqu'au bout. Et vous restez là, on attend. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, je fais le film SD. Oui, c'est que évidemment, nous voyons notre propre profil positivement. Exemple, je vais faire ma propre autocritique. Moi, je suis une battante, une winneuse. Voilà, je sais agir, prendre des décisions. Mais de l'extérieur, les gens, comment me voient-ils? Oh, ben, quel égoïste, hein, finalement. Moi, les autres, quels autres, hein? Genre, je suis à l'action, hein, on l'avance, on y va. Et donc, vont me voir comme quelqu'un peut-être d'arrogant. Il faut savoir entendre ces choses. Donc, si tous les agents, puisque souvent les commerciaux, en tout cas, nombre d'entre vous doivent avoir un profil assez proche du mien, ou alors d'un deuxième mot dont je vais parler après, ben forcément, vous allez me trouver fantastique. Sachez que pour bon nombre de clients, on est purement détestable. Voilà, sur cette note, je propose qu'on commence. Les choses sont dites. Donc, 4 profils. Alors, tu vas me dire, Thibaut. Quel profil? Les profils, on y va. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon de différencier le plus une personne est le fait qu'elle soit extravertie. Je vais montrer comme ceci. Tu vois bien? Oui, c'est lui. Introverti. Logique. Alors, enfin, logique. Donc, ben, en fait, quand on est du côté extraverti, on est ouvert sur le présent, sur le futur, on est vers l'avenir, on n'a pas peur et on aime être stimulé. Quand on est introverti, et vous avez vu que l'extraverti est particulièrement énergique, hein, voilà, prototype devant vous. Quand on est introverti, on est calme, discret, on est orienté vers le passé, on a peur de la nouveauté, du changement, donc c'est déjà un peu compliqué pour l'immobilier puisqu'il va falloir déménager. Mais voilà, on est plutôt réservé, on est plutôt tourné sur soi. Ça, c'est le premier axe de différenciation. Le deuxième axe, c'est le fait qu'on est plutôt rationnel ou plutôt émotionnel. Voilà, donc ceux qui sont là vers le haut, les rationnels, sont orientés vers les tâches, vers les choses à faire, vers le résultat. Alors que ceux qui sont dans le bas sont plutôt émotionnels, plutôt attirés par l'humain. Donc en haut, on raisonne avec la tête et dans le bas, on raisonne avec le cœur. Alors, ce qui est positif entre nous, évidemment, c'est que la majorité des gens sont ici et donc sont humains. Mais néanmoins, il en reste quelques-uns là-bas. Alors, ceci nous donne en fait 4 couleurs. Je vais peut-être partager ou même pas mon écran. Non, je ne vais pas me lancer dans le partage d'écran, hein, vu les ennuis techniques qu'on a eues. On va faire ça. Allez, on y va, je vous montre les couleurs. Alors, oubliez les notes et tout ça. Essayez juste de capter, de comprendre. Et puis, je vais vous raconter des histoires. Finalement, c'est ce qu'on retient le mieux des présentations. Donc, ça nous donne 4 couleurs. Vous avez en haut à droite, donc les gens qui sont extravertis et rationnels, ce sont les entrepreneurs, les battants, les chefs d'entreprise. Vous avez ensuite du côté extraverti mais plus humain, les relationnels, très intéressant pour les mandats spontanés.
Ensuite, vous avez du côté introverti et plutôt c'est un humain. Pousse un petit peu par là. Voilà. Top. Comme ça. Comme ça. Very good, c'est bon. Voilà, very good. Les conservateurs, my dear, ici, donc ils sont plutôt introvertis et qu'est-ce que j'allais dire ? Émotionnels. Émotionnels. Je vois que tu suis, Thibaut, très bon élève. Ouais, et en haut, les introvertis et rationnels. Les introvertis, mon Dieu, les analytiques. Donc, on commence d'emblée avec les rouges. Ce sont, inutile de vous le dire, mes préférés. Alors, important. On a 4 profils, mais en général, on a quand même un peu des 4, forcément, hein, en fonction du travail, du privé et autres. Mais on a surtout 2 dominantes, on a surtout 2 couleurs. Alors, pour faciliter l'analyse, je vais partir du principe qu'on n'est qu'une seule couleur. Mais vous verrez que vous allez vous rendre compte que vous avez certainement des 2. Alors, quand je vais énumérer les caractéristiques avant de vous raconter une petite histoire, quoique, je vais peut-être commencer par là. C'est important de ne pas essayer de cocher toutes les cases. C'est essayer de voir est-ce qu'il y a une tendance, est-ce que je rentre dans l'un ou l'autre profil. Et amusez-vous à faire, tiens, est-ce que mon conjoint, mon partenaire, dans quel profil le mettrais-je ? Alors, ce soir, vous savez déjà si vous êtes avec la bonne personne ou si vous allez au clash. Ben voilà, comme ça les choses sont dites. Et vous pouvez vous amuser à faire la même chose avec votre famille. C'est bien une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est si difficile de s'entendre avec sa famille, parce que dans votre famille, vous avez différents profils, et puisqu'on comprend que 3/4 des profils ne matchent pas avec le vôtre. Alors, donc, c'est l'histoire. On va pratiquer pendant les fêtes de fin d'année, là. Oui. C'est vrai que c'est le bon moment. Oui, oui, oui. Alors, oui, il faut vraiment lui mettre de la couleur. Donc, c'est l'histoire, les rouges. Les rouges qui sont donc du côté extraverti et orientés sur les tâches, le rationnel. Donc, c'est l'histoire d'un client qui arrive. Et donc, tout ce que je vous raconte est vrai. Hein. C'est l'histoire d'un client qui arrive lors d'une visite, puisque j'ai pour habitude de faire des visites fixes. Il n'avait pas réussi à me joindre et il arrive à l'improviste. Parce que les rouges, les règles, quelles règles, hein. On y va, on veut du résultat. Et donc, il arrive avec sa femme, il visite la maison et puis après, je vois que la maison leur plaît, mais OK, il retourne. Puis, monsieur me rappelle, il revient, il veut revenir voir la maison. Il revient seul. Bon, OK, alors que tout bon agent sait que 9 fois sur 10, c'est madame qui décide. Et il me dit, oui, la maison me plaît, mais ma femme n'est pas d'accord. Alors, en temps normal, si je n'avais pas vu ces couleurs, je me serais un peu méfiée, mais je l'écoute. Et le mec hyper énergique et je vous laisse en mille, est-ce que ce type a acheté ou pas ? Eh bien oui, parce qu'ils sont ainsi les rouges, ils sont ainsi les gens entreprenants, ils décident seuls, ils n'ont pas besoin du conjoint, du partenaire pour prendre une décision, on y va chérie, j'ai acheté, tu me suis ou je te fouille, et c'est ainsi. Ce sont donc des gens qui sont hyper autonomes, il faut se rendre compte aussi que c'est les meilleurs clients, ce sont les clients qui ne tergiversent pas, ce sont les clients, c'est oui, c'est bon, on y va, dites-moi où je signe. Pour moi, ce sont les meilleurs clients. Ils sont faciles, mais attention, par contre, ils ne sont que 2 sur 10 dans la population. Donc, sur un groupe de 10 personnes, vous avez moins de 2 personnes qui correspondent à ce profil. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que comme ils sont hyper entreprenants, ils sont surreprésentés en immobilier. On a quand même pas mal de clients rouges, pas mal de clients entreprenants parce que ces gens, ils veulent faire des affaires, ils achètent, ils revendent et autres. Et donc, si je fais un peu un profil, le côté un peu théorique de la chose, je vais mettre mon papier là. Ce sont donc des chefs d'entreprise, plutôt des commerciaux, beaucoup de commerciaux, donc beaucoup d'entre vous devraient se retrouver là ou dans le second profil qu'on va voir. C'est des gens hyper actifs, hyper réactifs, et ils sont impatients, ils bougent tout le temps. Vous verrez d'ailleurs qu'ils ne s'assoient pas. J'étais comme ça en prise de mandat récemment chez un client, j'arrive, et donc en général, moi, je demande que l'on s'assoie dans le salon pour faire un point sur comment va se procéder la visite, comment va se dérouler le rendez-vous. Et bien là, le type ne s'assied pas. Bon, là, ça, c'est déjà un signe. Quand le mec ne s'assied pas et qu'il reste debout, vous devez vous dire que vous avez un super actif devant vous. Ce qui est assez chouette, c'est qu'ils sont assez directs, ils sont francs. Par contre, il faut être digne du combat. C'est hors de question de vous montrer faible. Vous allez devoir donner le change. C'est ça qu'ils aiment retrouver. C'est quelqu'un qui va être en face d'eux et qui va les suivre. Il faut également aller à l'essentiel. Avec ces gens, c'est hors de question de leur dire, quand ils vous demandent par exemple quel est le montant des charges de copropriété, n'allez pas leur dire c'est 239,33 euros par mois. Ils deviennent hystériques si vous leur dites ça. Non, arrondissez, c'est 240 euros par mois. Soyez to the point, parce que ces gens ont tellement l'habitude de gérer des entreprises, de prendre des décisions, qu'ils doivent avoir une vision globale et d'ensemble assez synthétique des choses pour pouvoir gérer et avancer. Ce sont des personnes qui parlent très fort et qui parlent beaucoup, ouais, très fort, mais surtout qui n'écoutent pas. Je ris parce que moi, je suis comme ça. Donc, ils n'écoutent absolument pas.
De toute façon, ils savent ce qu'ils vont. Ils ont déjà décidé, honnêtement. Ils ont déjà décidé avant même de vous voir s'ils allaient vous prendre comme agent ou s'ils allaient acheter. C'est juste une petite visite de confirmation. Et finalement, ils vont vous appeler assez vite par votre prénom. Ils ont tendance à téléphoner. Alors ça, c'est super important. C'est hors de question d'aller envoyer des mails à des gens comme ça. Vous allez les exaspérer. Ils n'ont pas le temps. Ils sont inondés de mails. Donc, si vous voulez conclure avec quelqu'un comme ça, dès qu'il appelle, il faut décrocher. Mais vraiment, vous décrochez. Et tout taquet. Par contre, si vous ne savez pas décrocher, vous rappelez dans la demi-heure, au maximum dans l'heure. Autrement, vous les perdez. Donc, ne faites pas l'erreur comme moi je faisais au début, parfois de vouloir un mail, envoyer un mail pour ne pas les déranger, mais vous ne les dérangez pas. Au pire, ils ne décrochent pas et c'est eux qui vous rappellent. Ce sont des clients derrière lesquels il ne faut absolument pas courir. Ils ont horreur de ça. Ils sont dans le contrôle. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est eux qui reviennent vers vous et pas l'inverse. Voilà. Alors, avec ces clients là-bas, on commence par la fin. On signe le mandat, on signe la vente et puis on voit après. Alors, ce sont des clients qui sont assez exigeants. Ici, j'avais un client qui me disait, donc je lui posais des questions par rapport aux vacances. Je sais qu'on est en période Covid, hein, vous n'avez rien entendu, mais je lui posais des questions par rapport aux vacances. Et lui me dit, quelles vacances? Dites, il faut vendre mon bien avant la fin décembre. Rien à faire, hein. Vous devez être full disponible. Hein. Ces gens ne conçoivent pas travailler autrement. Un autre client, qui vient par exemple, qui vit à l'étranger, quand il vient par exemple dans mon pays, Belgique, bonjour à tous les Belges, je vous dis en passant, il est là 2 ou 3 jours, c'est... Je dois me libérer, hein. Faut tout libérer, faut être là. Mais ces gens gèrent des entreprises, ils n'ont pas le temps de s'embêter avec du détail. Vous êtes dispo, vous êtes leur agent immobilier. Alors, ce ne sont pas des gens qu'il faut recontacter, comme je l'ai dit. Ce ne sont pas des gens qui vont vous recommander. Par contre, ce sont des excellents clients sur la durée parce qu'ils sont assez fidèles, ils n'ont pas envie de s'embêter. Une fois que vous leur avez prouvé que vous êtes efficace, dès qu'ils ont besoin de vous, ils vous appellent. Et ils vous appelleront parce que comme ils sont entrepreneurs, ils achètent, ils vendent, ils voient d'autres nouvelles opportunités, ils vont acheter un appartement 3 ans plus tard, ils veulent investir dans un autre business. Et donc, ça tourne. Donc, ce sont des clients où ils ne vous appellent pas souvent, 1 ou 2 fois par an, mais quand ils vous appellent, nom d'une pipe, soyez disponible. Voilà. Ça, c'est pour les premiers clients. Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Les c'est presque facile quand même, on peut le dire. Oh, je les adore. Je c'est m'adore. Facile de se faire entrepreneur. Oui, ah, c'est super. C'est super client. Super. Et donc, le problème, c'est que si vous êtes du côté jaune, comme je suis un peu, vous allez voir que j'ai les deux, puisque je vous expliquais qu'on en avait deux, mais si vous êtes du côté jaune, donc du côté, je reprends, extraverti mais plus humain, vous allez les énerver. Hein? On y va. Donc, le jaune, tu me dis, hein, Thibaut, ici, on est à droite. Il est extraverti et il est humain. C'est un client relationnel. Alors, c'est un client qui est, ça correspond plus ou moins à 3 personnes sur 10. Ce sont des clients, et alors là, j'espère que vous êtes tous bien ouïs, ce sont les meilleurs clients pour recommander. Donc, si vous voulez rentrer des mandats spontanés, ce sont ceux-là. Ah, je vous sens et à l'écoute, là, je vous ai avec moi. Pourquoi est-ce que ce sont ceux-là? Parce que ce sont des clients qui ont une force qui sont relationnels, donc qui sont en contact avec beaucoup de monde, qui ont une force de conviction, ils aiment influencer les autres, ils aiment avoir l'attention des autres. Et c'est là où vous allez devoir faire attention vous-même. Mais aussi, ils sont toujours en contact. Ils sont sur Facebook, sur Insta, sur WhatsApp, et ils vont partager vos publications. Ils sont adorables. Ce sont des gens hyper agréables puisqu'ils sont relationnels, très sympathiques, qu'ils sont à l'aise. Très vite, ça va être « Evelyne, tu à toi » comme on dit ici en Belgique. Donc, assez vite, vous tutoyez. Bon, ça, c'est peut-être notre côté belge. Mais ils vont être très, très vite familiers. Ils sont dans des métiers plus sociaux. Également, les commerciaux font partie. Donc, nombre d'entre vous devraient aussi être dans ce profil-là. Et c'est finalement des clients qui deviennent des copains, voire des amis. On aime aller prendre un verre, aller manger. Oh, c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore les avoir, mais ils sont énergivores. Ils sont énergivores parce que comme ils sont toujours en contact et toujours sur le net et qu'ils veulent avoir votre attention, quand ils vont publier quelque chose sur Facebook, sur Insta, sur qu'ils vous écrivent sur WhatsApp, il faut être aussi au taquet ou en tout cas liker, partager et commenter. Donc, ce sont des clients qui parlent énormément. Quand vous êtes en repas de famille, c'est celui qui tient le crachoir. Un peu moi, si vous voyez. Et donc, vous avez vu Thibaut, au début de la présentation, mais il a parlé en continu. Et puis, tu as dit autre chose aussi entre-temps. Je ne sais plus ce que c'était qui m'avait fait penser que tu étais jaune, mais tu as certainement, en tant que chef d'entreprise, un côté rouge, mais tu as du jaune, mon cher. Tu as ce côté où je parle, j'adore m'entendre parler. Je rigole, je suis pareil.
Et donc, ces gens adorent la nouveauté. Ces gens sont hyper orientés vers le futur. Là où les rouges, les entrepreneurs, sont dans le moment, dans l'action, les jaunes, ce qui les passionne, c'est la nouveauté. Vous avez quelque chose de nouveau? Vous avez fait quelque chose de nouveau dans l'agence? Dites-leur. Vous avez un nouveau bien? Dites-leur. Ils sont souvent, dès qu'on publie, ils sont là, ils sont bien derrière. Ils aiment les choses aussi atypiques. J'avais vendu comme ça à un client. Donc, j'avais des clients qui venaient visiter un appartement, mais qui étaient, franchement, passons l'expression, une merde à vendre. J'aime bien dire ça. Mais bon, il avait quelque chose, comme quoi même s'il y a tout ce vent, il y avait quand même des très hauteurs, des très hauts plafonds. Mais quand je dis haut, genre 4 mètres. Alors, quand je dis une difficulté à vendre, c'est parce que ça ne plaît pas à la majorité. Les gens pensent chauffage, isolation, on est à feu, on est dans l'éco-bobo. Enfin bref, ça ne plaisait pas. Si ce n'est que je tombe sur une dame qui est jaune, et qui s'enthousiasme. C'est des gens, on s'enthousiasme. Pour un oui, pour un non, on est hyper stimulé et stimulant. Et voilà que... elle voit la hauteur sous plafond et elle me dit qu'elle est artiste, ce qui colle d'ailleurs à ce profil. Et donc, je mets en avant la hauteur sous plafond pour mettre un beau tableau, quelque chose de monumental, une statue. Ben, évidemment, bingo, c'est quelque chose qui leur parle. Être atypique, être tendance, ce sont des gens qui sont assez stylés, qui aiment s'habiller, qui font attention à la façon dont ils vous habillent, qui font attention à la façon dont ils s'habillent et qui regardent la façon dont vous êtes habillé. Alors, avec ces clients-là, moi, ce genre de choses, à ne pas faire avec d'autres, en général, je me lâche, donc je m'amuse. Je viens avec des chaussures de ce type. On parle avec des femmes vernis, couleur de vernis. On est là. Hein. Alors, pour les autres, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est positif pour nous, parce qu'on voit ça comme des choses de la nouveauté, n'oubliez pas que pour les autres profils, c'est vu comme négativement. On nous verra comme superficiel, comme artificiel, comme égoïste, quelqu'un qui tient le crachoir, qui n'arrête pas de parler tout le temps. Voilà. Ce sont des gens qui ont tout le temps des idées. Et ce sont certainement des gens qu'il faut oser complimenter, contrairement au profil suivant que l'on va voir. Vous pouvez y aller, il ne faut pas avoir peur. Hein. Le problème, c'est que si vous êtes plutôt introverti en tant qu'agent, c'est un peu rare, mais ça arrive, vous allez avoir du mal à le faire. Mais allez-y, lâchez-vous. C'est un client qui vient, j'avais rendez-vous avec lui pour une prise de mandat, et il arrive, bon, je l'avais déjà eu des années avant, mais bon, rien n'est acquis parce qu'entre-temps, il avait d'autres agents pour ses locations, parce que moi, je ne fais pas de location, donc la porte est ouverte pour la concurrence. Il arrive sapé comme jamais, vraiment, et je sais qu'avec ces clients-là, je peux être spontanée puisque je lâche ma part de jaune, et donc j'ouvre les vannes. Et je lui dis, non, je lui dis, qu'est-ce que vous êtes élégant? Le type ne se sentait plus, on a signé sur le capot de la voiture. Je ris, mais c'est vrai. Un autre client qui venait, lui, pour acheter, j'avais des lofts à vendre qui étaient mal situés. La localisation était vraiment pas top, mais il y avait eu un travail d'architecte et ça avait, honnêtement, passez-moi l'expression, de la gueule. Le mec qui vient visiter, alors c'était brut, un casco, hein, donc vide, hein, ça, de ce genre, ça donne pas envie. Le mec qui vient, et donc je lui dis la phrase magique, en tout cas pour ces gens-là, je lui dis ici, puisqu'il était célibataire, je m'en étais assuré avant, il dit, mais écoutez, je lui dis, ben, ici, vous emballez. Sous-entendu, si vous avez des conquêtes, ce genre d'endroit, ça fait conclure. Ni une, ni deux, je ne peux pas dire que c'est la seule chose qui fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être comme eux. En fait, c'est ça la clé. Il faut chaque fois s'adapter au profil parce qu'alors, à ce moment-là, ils se reconnaissent en vous, ils vous apprécient, ils vous font confiance et puis ils ont envie d'aller avec vous comme vous devenez leur meilleur ami. On peut dire alors que parmi les commerciaux, enfin, ce qu'il faut recruter, c'est des commerciaux relationnels puisque même en général… c'est ce qui aide comme à faire le lien avec les clients en général ou je me trompe Bah, les rouges sont bons aussi. Les rouges sont plus dans l'action parce que les jaunes, ça parle, mais ça n'agit pas toujours. Désolée, hein, j'en fais partie. Aussi. Les jaunes et les rouges. La combi, pour moi, honnêtement, ouais. La combi jaune-rouge, elle est topissime parce que tu es dans l'action et tu es très humain, empathique. C'est effectivement, les jaunes sont empathiques et c'est la base. Les rouges, ils vont se mettre plein de gens à dos s'ils ne font pas d'efforts. Oui, tout à fait. Et alors, par contre, oui, et en plus, les jaunes, Thibaut et vous, chers confrères, ce sont les gens qui recommandent. Franchement, c'est une mine d'or à mandat spontané. Et on sait bien que les mandats spontanés, ce sont les meilleurs. Donc oui, les commerciaux jaunes. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, si certains nous écoutent et ont des équipes, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, si on va plus loin au niveau du marketing, de la psychologie, c'est de répertorier son équipe, d'essayer de se dire celui-là, il est comme ceci, celui-là, il est comme cela, et d'attribuer le commercial en fonction du profil du client que l'on se fait. Et c'est possible. Honnêtement, moi, là où je m'amuse comme une dingue aujourd'hui, c'est qu'en général, j'essaie déjà par téléphone de reconnaître, ou par WhatsApp, puisque ça dépend quand même du contact, d'essayer de reconnaître en 2-3 minutes à qui j'ai affaire. Et je note, je vous jure que c'est vrai, je note sur ma fiche la couleur. Et en fonction, je sais, attention, je dois me taire, je dois me retenir, ou allez, vas-y, Evelyne, lâche-toi. En parlant de se lâcher, avec les jaunes, ils s'ennuient vite.
il va falloir tout le temps les amuser. Alors, un jeune, par exemple, qui vous dit, tiens, Evelyne, hein, puisqu'il vous, il vous appelle par votre prénom, comment se sont passées vos vacances? Donc là, c'était un client chez qui je devais prendre le mandat. Mon Dieu, les jeunes, ils sont quand même compliqués, tu sais. Ils sont adorables. Soit ils signent tout de suite, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, les faire signer tout de suite, autrement, ils changent d'avis. Soit ils vont demander l'avis à gauche, à droite, puisque c'est eux-mêmes ce qu'ils font. Ils sont toujours en recherche d'avoir des avis des autres, hein, et le regard. Et donc, ils changent tout le temps d'avis. Tu crois que tu vas signer le mandat? Moi, en général, je signe le mandat à un ou deux rendez-vous maximum. Là, j'étais à mon quatrième ou cinquième rendez-vous. Je n'en pouvais plus. Mais c'était un bon bien. Je dis toujours que pour 15 000 euros, je peux faire beaucoup. Donc, je voulais ce mandat. En plus, j'avais vendu d'autres appartements dans l'immeuble. C'était hors de question que ça aille dans une autre agence. Donc, je vais chez le client pour la énième fois après mes vacances. Et il me dit, on discute hein, sérieusement, en même temps un peu moins, parce qu'il ne faut pas être trop sérieux avec ces clients. Ces clients-là, il faut tout le temps sourire. Vous devez être rayonnant. S'ils sont jaunes, ce n'est pas pour rien, c'est le soleil. Alors que les rouges, c'est le feu. Donc, ce client-là me dit, ah, Evelyne, comment se sont passées vos vacances? Là, je remercie Disque et Martson qui ont établi ces quatre profils et je me dis, oula Evelyne, attention, parce que moi en tant que rouge, je pense qu'un dominante rouge, j'aurais envie de lui dire bien et puis on passe à autre chose. Je ne suis pas là pour parler de mes vacances. Un rouge, ça l'emmerde. Un rouge, vous lui demandez de prendre un café, vous lui demandez de vous lui parler de sa vie intime, mais il va se demander avec quoi vous venez. Ça ne l'intéresse pas, il n'est pas là pour ça. Le jaune, lui, il s'attend à ce que vous lui racontiez des histoires et des anecdotes et ça marche super bien. Donc le client me dit, tiens Evelyne, comment se sont passées vos vacances? Écoutez, je suis allée à Avignon, hein. C'est super, le festival d'Avignon, j'adore. Là où un camp rouge, j'aurais juste dit bien, mais il ne m'aurait de toute façon pas posé la question. Et puis, je continue évidemment avec ce client jaune, hors de question de s'arrêter. Et je lui dis, ah, mais tiens, à propos, j'étais voir des spectacles. Est-ce que vous savez que j'ai déjà fait un spectacle immobilier à One Man Show? Ah non, blablabla, bla, bla, bla. Et on est parti. Parce que ce qu'ils aiment, c'est toujours ces côtés, cette info de la nouveauté, cette petite anecdote, hein, les couloirs, voilà, ça les passionne. Donc, ce sont des gens qui sont énergivores, parce qu'il va falloir prendre du temps, mais qui vous apportent des mandats spontanés. Ils sont pleins d'idées et ils sont, alors, redoutables en matière de négociation. Alors, moi, je suis toujours scotchée, je ne sais pas comment ils font, autant de temps après. Voilà, vous dites, j'ai une bonne offre, il va l'accepter. Non, ce serait trop facile. Enfin, oui, il va l'accepter, puis après, il va se rétracter. Et puis après, il va réfléchir, il va en discuter avec d'autres, et puis il va revenir avec une autre proposition. Et c'est toujours très intéressant de voir comment ils arrivent à négocier un prix. Voilà, donc ce sont des clients avec lesquels il faut s'amuser. C'est voilà, avec lesquels vous allez passer un… Donc, on les reconnaît assez facilement quand même, les relationnels, dans la discussion, rapidement, dans la prise de mandat, on sait à qui on a affaire. Ben, ils sont souvent bien sapés. Ils vont déjà te faire des commentaires. Ils vont te faire des commentaires sur tes choses. Ben, si tu n'es pas habillé de manière trop rigide, hein, le but, c'est quand même de voir déjà avant la prise de mandat à qui tu as affaire. Est-ce qu'ils sont joviales? Est-ce qu'ils parlent beaucoup? Ça doit déjà te donner un indice. Ben, alors, n'hésite pas à aller habillé stylé, décontracté, stylé, mais à la mode, quoi. Pas en veston cravate, certainement pas. Et donc, si tu y vas stylé, ben moi, par exemple, ici, avec la chaussure, je prends parce que c'est une anecdote, j'avais à peine mis le pied devant la porte que la cliente, c'est que ça, vos chaussures, j'adore cette marque-là, où est-ce que vous les avez achetées? Hop, c'était parti. Et la dernière cliente avec jaune avec qui j'ai signé, elle est adorable, hein, franchement. Alors, elle me dit, oh, votre rose, regardez mon vernis, j'ai le même. En fait, ils cherchent comme ça une accroche. Ils sont toujours à la recherche de créer des amitiés et autres, de bien s'entendre. Donc, ce sont des clients faciles, oui, mais en même temps, avec lesquels il faut signer vite. C'est ça le danger. Ils vont très vite changer d'avis. Ils risquent très vite d'aller voir s'il y a un nouveau bien à vente. Ils vont aller voir ou pas, même s'ils vous ont fait une offre, ils se rétracteront. Et s'ils vous ont vu qu'ils veulent signer avec vous, signez le mandat tout de suite, parce que autrement, ils vont signer avec l'agence suivante qui va leur proposer encore. Donc, il faut aller vite. Ah, il faut aller vite. Ceux-là, il faut conclure. Voilà. Okay. Alors, on y est. Alors, on a deux profils. Alors, on passe du côté introverti. Les introvertis, plus mal. Les introvertis côté humain. Oui. Ça, c'est le groupe le plus important des gens. Ce sont les gens normaux. Ce sont les gens calmes, les gens discrets. Ce sont les gentils. Mais, ils sont sous-représentés en immobilier parce que ces gens ont en horreur du changement et donc du déménagement. Et donc, forcément, c'est un peu compliqué en immobilier de vendre, d'acheter si on n'aime pas déménager. Néanmoins, ils sont plus difficiles à repérer, Thibaut, parce que ceux-là, ils sont plus discrets, tu vois. C'est un peu le mix de tous les profils. Ils n'ont pas une caractéristique très,
qui sort de l'ordinaire. Et ce sont des gens qu'il va falloir ne pas froisser. Alors là, c'est un client, comme quoi on peut tenir à pas grand-chose, mais je t'assure que c'est vrai. J'ai un client, je me suis vite rendu compte qu'il était vert, mais pas encore assez vite, trop spontané que je suis. Il vient visiter l'appartement et je n'avais personne. Tu sais, en fait, c'est ça. Ces profils, ils sont surtout intéressants. Ils ne sont pas intéressants quand on a 50 personnes devant la porte. On s'en fout. Soyez vous-même. Mais quand parfois vous n'avez qu'un acheteur, ce qui hélas arrive, hein, quand le prix est fort haut, même si je suis une dingue du juste prix ou que le bien ne plaît pas, parfois on n'a qu'un acheteur. Et il ne s'agit pas de louper celui-là. Viens, mon futur acheteur, il ne le sait pas encore, il vient visiter. Et voilà qu'il me dit, Madame Guylaine, alors un verre est assez dans la convenance. Hein, on n'est pas trop familier, on la réserve. Bonjour madame, il est bien à l'heure. Soyez à l'heure et même avant l'heure au rendez-vous pour la prise de mandat, autrement vous le loupez. Hein, c'est un manque d'éducation totale. Donc, il est bien à l'heure. Il vient souvent accompagné, contrairement au rouge. Il respecte, voilà, on vient en famille, voire même carrément en famille. Et donc, il me dit, Madame Guylaine, est-ce que je peux mesurer? Bon, oui, trop spontané, évidemment, parce qu'il faut rester calme. Et je lui dis, ah, si vous voulez, j'ai mon laser. Et donc là, je vois le mec qui se ferme. Tu sais, les commerciaux, nous, on voit ça. On voit le type qui se ferme. Je dis, oh, merde, j'ai fait une erreur. Je regarde mon laser et puis je me dis, c'est ça. Ça, c'est trop moderne pour un conservateur. Donc, je range mon laser et heureusement, j'avais ce petit mètre un peu plus ordinaire. Non, ça ne m'est pas du tout, quoi. Le type, il me sort ceci, quoi. Le mètre en bois à l'ancienne. Alors, évidemment, la difficulté, c'est de ne pas rire. Moi, quand je vois ça, il n'a jamais voulu que je sorte le laser et je n'ai pas insisté d'ailleurs. Il a pris ses mesures avec son truc en bois et il faut le laisser faire. Les verres, il ne faut pas les secouer. Il faut leur donner un petit coup pour la prise d'initiative, mais il faut surtout laisser faire étape par étape. Si vous les bousculez, ils se braquent, ils ont peur. Alors, ce même client, on va voir la cave et à un moment, on voit des bouteilles de vin. Et voilà qu'il me dit, parce que une fois qu'ils sont en confiance, vous verrez que les verres, en général, on va commencer à créer une relation. Ils vont commencer à vous faire confiance, ils voient que vous êtes voilà, quelqu'un de bien, hein, comme eux. Et donc, il me voit dans la cave les bouteilles de vin. Et puis, voilà qu'il me dit, ah, il y a des bouteilles de vin. Et moi, je me dis, ah, hein, il avait vu le vin rouge. Il me dit, oh, si le propriétaire veut le laisser, je fais un grand sourire. Et le jour de l'acte, bon, alors, le compromis était déjà signé, mais quand même, parfois, ça ne tient pas grand-chose. Le jour de l'acte, je me suis dit, je ne vais pas lui offrir du champagne, je vais lui offrir une bouteille de vin rouge en rapport avec la remarque qu'il m'avait faite. Je lui offre la bouteille de vin rouge et là, grosse erreur, le type. Il me dit, il y a un problème que vous me faites un cadeau. Ces gens n'aiment pas les cadeaux, les verres. Ça leur fait peur. On ne fait pas c'était de trop pour lui. Il commençait à avoir peur. Donc, ce sont des gens, finalement, si on veut prendre le mandat ou leur vente, il faut rester super calme, ce qui est extrêmement compliqué pour les extravertis que nous sommes, nous, les agents. Courtois, gentil. Essayez de ne pas trop parler. Et surtout, ce sont des gens qui vont vous envoyer un mail, vous téléphoner, mais vous oubliez souvent, aujourd'hui, tout le monde est Facebook, WhatsApp et autres, mais ils sont assez traditionnels dans leur communication. Ne les appelez pas, ne les tutoyez pas, ne les appelez pas par leur prénom. Même si vous avez l'impression que la relation évolue et qu'on se rapproche, grosse erreur, ne le faites jamais. Ce sont des clients, par contre, qui écoutent. Ils écoutent, ils comprennent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils changent d'avis. Et ça, ils ne vont pas vous le dire. Au même titre qu'ils ne vont pas vous dire qu'ils ont peur, ils vont souvent cacher leurs craintes. Donc, vous avez l'impression qu'ils vous écoutent, que tout va bien, et pour finir, ça ne bouge pas. Ce sont des clients qui vont venir chez vous si quelqu'un, un de vos clients vous a recommandé. Ils seront en confiance et ce sera déjà beaucoup plus facile. Alors là, m'appelle une consoeur et elle m'a dit, écoute, Evelyne, je vais, parce qu'on se parle évidemment, on est sur la route, elle m'a dit, Evelyne, je vais en prise de mandat avec ses clients, je ne sais pas comment faire, elle les avait déjà vus. Je lui dis, écoute, décris-les-moi. Comment est-ce qu'ils sont? Ah, ben voilà, monsieur, madame, ils ont un certain âge, ils sont calmes. Donc, d'après ce qu'elle me dit, je me dis, ben, ça doit être des conservateurs. Alors, je lui dis, écoute, tu vas faire une chose, surtout, tu ne les fais pas signer. C'est ce que la majorité d'entre nous, on ferait, hein, prendre le mandat directement. Si tu les fais signer ou si tu les forces, ils vont se braquer, ils vont avoir peur. Tu vas faire, contrairement aux autres, tu vas faire ceci. Tu vas leur dire, voilà comment ça va se passer, on va faire ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, on est dans la première étape. Je vous laisse y réfléchir et dans 3 jours, je vous rappelle pour la seconde étape et voilà ce qu'on fera. Et je te laisse deviner, elle a signé. Donc, il faut savoir aussi se retenir et parce qu'elle a dénoté en fait. Elle était différente des autres, mais elle était bien adaptée pour ces clients-là. Ces clients-là, ils ont besoin qu'on les rassure avec de la qualité, avec des certificats de qualité. L'ancienneté de l'agence va compter. Hein. Ils sont traditionnels. L'historique compte. Si vous dites, voilà, je suis là depuis 20 ans, on a une agence familiale. C'est quelque chose qui est important pour eux. Voilà, ce sont des gens qui vont vous demander comment va votre famille, alors qu'un rouge comme moi,
Quelle famille. Et alors, si on veut leur vendre, ce sont des clients sur lesquels c'est assez facile. Il suffit d'appuyer, de titiller, leur dire que c'est une valeur sûre. Hein. On n'est pas dans l'atypique du jaune. On n'est pas dans l'opportunité du rouge. Non, ceci, c'est un achat, c'est une valeur sûre. On a insisté, par exemple, sur les matériaux nobles, s'il y en a. Donc, il ne faut pas essayer de retenir par cœur tous les critères. C'est assez logique, c'est plein de bon sens. Tu comprends déjà qu'avec quelqu'un de traditionnel, il va falloir avoir une attitude traditionnelle et donc pas les booster. Avec un jaune, ça pétille dans tous les sens et avec un rouge, on passe à l'action. Voilà. Pour les verts, je regarde si je n'ai rien oublié. Oui, non, j'allais oublier. Oh, oh. Surtout, vous leur parlez de leur notaire. Ah oui, la guéguerre, agent notaire, peu importe. Là, vous en avez besoin. Vous allez leur dire que avec vous, d'abord, un, il n'y aura pas de surprise parce qu'ils détestent les surprises et qu'en plus, vous allez collaborer avec leur notaire. Enfin, ils adorent. Ils ont besoin d'être rassurés. Voilà, leur notaire, c'est leur dieu. Donc, ça, c'est des phrases à leur rappeler, ça va les rassurer. Voilà, oui, ça va les rassurer de parler du notaire. Voilà. Pour les verts, ce qui nous amène au bleu. Très intéressant. Bleu. Alors, les bleus. Les bleus. On est du côté introverti et on est du côté rationnel. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je ne peux pas m'en cacher, je n'arriverai pas, je suis en retard. Donc, ce sont des gens, les analytiques, ben, c'est le client. Alors, véridique, je vais essayer de vous montrer. C'est le client qui vous envoie ce type de mail. Hein, 30 questions, on n'a rien d'autre à faire. C'est le client qui s'amène aussi, alors, avec ce genre de magazine, hein, ou pour la Belgique, avec ce genre de magazine. Il lit tout, il se documente sur tout, il vous inonde de mails. Ce sont des clients qui sont peu fréquents. Et seulement une personne sur 10 est analytique. Heureusement, mais, ils sont surreprésentés en immobilier parce que ils ont de l'argent. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont dans la finance, des banquiers, des avocats spécialisés, des médecins spécialisés. Et donc, ces gens, ben, ils ont du patrimoine. Par contre, ce sont des mauvais acheteurs parce qu'ils mettent un mois pour se décider. Enfin, que dis-je, le dernier que j'ai eu, parce que parfois, on n'a qu'un seul acheteur et c'est ça qui est important. Autrement, moi, c'est des acheteurs que je ne peux pas. Je suis limite désagréable. Hein. Puis en plus, il faut bien qu'il y en ait un qui paye pour les autres de temps en temps. Mais parfois, quand je n'en ai qu'un, je prends sur moi et je me souviens avoir mis près de 3 mois pour signer l'appartement à un prix de fou. Parce que ce sont des clients qui payent souvent les biens trop chers. Pourquoi? Parce que ces gens raisonnent avec des chiffres hein, et donc ils adorent les prix au mètre carré. Or, quand vous avez un grand appartement où il n'y a par exemple que 2 chambres, hein, je traduis en français, je ne sais pas comment on dit, mais qui est très grand au mètre carré, ben, eux, si vous savez leur justifier que les prix au mètre carré sont là, ils vous achètent. Donc, j'avais un appartement de 265 mètres carrés à vendre tout près des communautés européennes à Bruxelles. Je vous laisse deviner le prix de cet appartement, mais qui ne comprenait que 3 chambres. Donc, 3 chambres, ça veut dire qu'il y a bien évidemment la cuisine, le living, les salles de bain, mais 3 chambres à coucher. Et donc, le prix, puisque les clients vendeurs avaient fait aussi, et que d'autres agences leur avaient fait le calcul au prix au mètre carré, le prix de vente était beaucoup trop élevé et je n'arrivais pas à vendre cet appartement. Vient un client analytique, ouais, ça va déjà ting ting ting, et il vient et j'essaie de le convaincre, on discute et puis j'essaie de le convaincre, mais attention, un client analytique ne se convainc pas par la parole. D'abord, ce sont des gens qui ne parlent pas, ils réfléchissent. Donc, si vous leur parlez, ça leur embrouille la tête. En plus, vous aurez l'air complètement déluré, complètement fofolle comme moi, et donc ils ne vont pas aimer. Donc, pour les convaincre, ces gens, vous faites la visite calmement et puis vous revenez vers eux par mail. Alors, point par point, ils sont extrêmement énergivores. Mais comme ils ne sont pas dans l'empressement, parce qu'ils font les choses avec le temps, ce sont des clients sur lesquels vous pouvez vous concentrer ultérieurement. Donc, quand vous recevez un appel d'un rouge, vous devez décrocher directement. Le jaune est rapide sur WhatsApp. Le vert répond en ayant un délai raisonnable, selon la convenance, peut-être de 2, 1 jour ou 2. Mais le bleu, surtout, ne répondez pas trop vite. Ce serait un manque de sérieux. Et donc, je lui envoie, hein, je lui fais un beau mail comme ils aiment bien et je ne me force à ne pas l'envoyer directement. Parce que rouge comme je suis, j'ai envie de répondre et de conclure. Donc, je lui prépare son mail, je lui mets. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre? Des articles de presse, des chiffres de marché, des statistiques. Et voilà, ça dure, échange pendant 1 mois, ça a duré. Et à la fin, comment est-ce que j'ai conclu? Je lui envoie un moment l'expertise bancaire. Parce qu'en Belgique, quand les gens doivent acheter, ils doivent avoir une expertise bancaire, hein, réalisée par un expert qui travaille pour la banque, ce que j'avais fait faire par proactivité rouge que je suis. Et je lui envoie l'expertise bancaire qui était évidemment en notre faveur parce que les banques, étant plus analytiques, travaillent également au mètre carré. Je lui envoie, paf, il a accepté le prix, il n'a plus discuté, la vente était faite. Donc, les analytiques, ce sont des gens, si vous arrivez à leur donner un dossier complet, et même s'il faut le temps, et que vous répondez à toutes leurs questions, mais pas 2/3,
vous allez pouvoir avancer avec eux. Ce sont des gens qui sont hyper dans le détail. Quand ils vous demandent quelles sont les charges de copropriété, c'est hors de question d'aller dire c'est 240 euros. Non, c'est 237,15. Ce sont des gens, d'ailleurs, de l'autre côté, on les voit plutôt comme radins. On a l'impression qu'ils sont au cent près. Mais ça n'est pas le cas. C'est juste qu'ils sont pointilleux. Donc, vous ne les appelez surtout pas. Et vous, si vous êtes en négociation avec eux, vous attendez qu'ils reviennent vers vous. Ce sont des gens qui n'aiment pas que l'on court derrière eux. Ce sont des gens qui sont… je respecterai le timing, hein, Thibault, mais je termine quand même là-dessus. On parle 5 minutes. C'est vraiment intéressant. C'est passionnant. Ce sont des gens, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, qu'a vécu. Oh, celui-là, il s'en est pris plein. Donc, il arrive il y a quelques jours et il vient, non, avant qu'on soit confiné, il vient visiter l'appartement et je le vois faire, donc un visiteur, un amateur, je le vois faire 4 photos. Quand je dis 4 photos, c'est une photo dans chaque angle de la pièce. Je me dis, non, en analytique. Ah oui, un rouge, ça fait une photo, paf. Le jaune, on ne fait même pas une photo, oui, il fait une vidéo. Et le vert, il va de toute façon regarder autre chose. Alors, il me dit… Il commence à me parler, à me poser des questions, il me dit « j'ai peur ». Ouf, les bleus, ils ont super peur. Ils ont peur de tout, ils ont surtout peur de se tromper. Et donc, il me dit « j'ai peur ». Je dis « oui ben, ». Oui, je dis « ben oui, c'est pour ça que vous n'achèterez pas ». Alors, le mec, la tête, ben oui, personne ne lui parle comme ça, comme tous ses copains sont comme lui, puisqu'on est toujours entouré des gens qui sont comme nous, qui trouvent tout à fait normal de prendre ses renseignements, d'avoir des… Ben, forcément, personne ne lui donne le discours, personne ne lui tient le discours que moi je lui tiens. Je dis, bah oui, vous n'achèterez pas. Alors, on me regarde, je dis, non, vous êtes analytique probablement. Il me dit, oui, mon métier, c'est d'analyser les risques. Mais je dis, oui, mais bon, c'est pas votre métier qui fait ce que vous êtes, mais c'est parce que vous êtes analytique que vous faites ce métier-là. Et donc, je dis, vous savez, monsieur, vous voyez des risques là où moi je vois des opportunités. Hein? Mais, il réfléchit. Bon, il doit dire que je l'ai perdu parce que je n'ai fait aucun effort, j'avais pas envie, j'avais d'autres amateurs. Mais ce type, je crois qu'il n'en revient toujours pas de la conversation que l'on a eue. Et ce sont des clients avec qui il ne faut pas perdre de temps si vous avez d'autres amateurs parce qu'ils vont vous pomper toute votre énergie. Alors, je réfléchis sur encore un ou profil ou l'autre par rapport… Ah oui, oui, oh, je ne vais pas finir la conférence sans vous montrer. Prise de mandat. Un jour, des clients m'appellent et ils me disent « Madame Guylaine, hein, » on est formel de nouveau du côté introverti, « Madame Guylaine, on aimerait bien vous voir, on voudrait voir votre appartement. » Ils parlent comme ça. Hein. « Vous m'enchantez. » Il y en a qui m'écrivent « Votre travail m'enchante. » Super. Bon, bref. Alors, j'arrive chez eux et donc je regarde avec eux pour la prise de mandat. Alors, ils avaient analysé toute la personne que j'étais. Ils m'ont dit « On vous veut. » Alors, moi, ça me fait peur, ça. Hein. Ils avaient tout screené, les articles de presse, tout ce que j'avais fait. Bon. Et puis, dans le cadre du mandat, à un moment, moi, j'aime bien demander à mes clients, on avait signé, et j'aime bien leur demander, tiens, qu'est-ce qui fait que vous avez acheté à l'époque? C'est toujours intéressant, ça me donne directement les points d'intérêt et les accroches pour les futurs acquéreurs. Et là, le mail, moi, je m'attends à un mail. Voilà ce qui m'a sorti. Regardez bien, ça s'appelle du mind mapping. Ça reprend la localisation et les points d'intérêt. Ah là là, incroyable. 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 Voilà. Moi, ça me fait peur, hein. Ce genre de choses. Néanmoins, je vous invite à les écouter parce que, évidemment, alors j'ai dû vous expliquer qu'on n'allait pas tout mettre sur la vente. Ce sont des gens qui comprennent et qui réfléchissent. Mais je l'ai quand même gardé parce qu'ils auraient été un peu blessés, offensés si je n'en avais pas tenu compte. Mais qu'est-ce que je voulais dire moi avec ça sur le mind mapping? Je suis distraite parce que je regarde le mind mapping, ce qui me rappelle. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Je passe au point suivant. Ce mind mapping m'a perturbée, c'est le cas de le dire. Mais voilà, pour eux, c'est super important d'aller dans le détail des choses. Et je vous invite à ne pas communiquer ce genre de mind mapping aux autres profils qui ne comprendraient pas. Ah, super important. Ce qu'il faut savoir, il y a un profil qui est très commun, c'est que certains bleus sont bleus et jaunes. Et donc, c'est difficile de les détecter, mais c'est un profil très courant. C'est-à-dire que les bleus qui sont des perfectionnistes, des analytiques, ont parfois un côté jaune. Ils peuvent être très bien sapés. Hein. C'est la nana ou le mec qui est très bien, qui est bien habillé, mince, perfectionniste à tous les sens, hein, dans son travail, dans son look, dans sa présentation. Et donc, je voulais juste insister là-dessus, c'est que c'est un profil qui revient. Parfois, vous avez des gens qui sont très analytiques, mais aussi qui ont un côté jaune. Voilà, donc je vérifie que je n'ai rien oublié sur les bleus, hein. Je pourrais m'étaler sans cesse. je pense avoir résumé la chose. Est-ce que tu as des questions, Thibault? Oui, j'ai des questions. Donc, on a 4 profils. Donc, l'objectif, c'était effectivement de comprendre, ou plutôt d'avoir plutôt une intuition, plutôt de comprendre quel était le profil avec
du client qui était devant nous. Voilà, dans... Intuition, c'est très jaune, oui. Ouais. C'était de mieux comprendre effectivement à qui on s'adressait pour avoir une meilleure discussion et puis effectivement de mieux s'occuper du client, voilà, qui ait une meilleure satisfaction client. Donc, si la première étape, c'est de comprendre à qui on a affaire. Et ça, on le voit au travers de sa façon de se comporter, de son langage, de comment il est habillé, s'il arrive en avance ou en retard, de comment il s'exprime. Donc, ça, on s'adapte à ça. Donc, c'est la première étape. Oui, détecter. En fait, le client qui rentre, hein, je vous donne deux, trois exemples. Le client qui rentre dans une agence, celui qui rentre et qui est bien sapé, ça, vous devez vous dire c'est un jaune, il faut tout de suite aller vers lui, il a besoin de votre attention. Le rouge qui rentre, qui passe la porte et qui va vers vous, déterminé, c'est le client qui ne demande même pas son reste en avant, ben, répondez directement, il ne vous prendra pas beaucoup de temps. Les bleus, à mon avis, ne passeront pas sans prendre rendez-vous. Et les verts, ben, vous aurez monsieur et madame qui viennent bien gentiment. Donc, vous pouvez les détecter sur base de leur comportement quand ils rentrent dans l'agence ou dans les visites, c'est un peu la même chose. Sur base du moyen de communication qu'ils utilisent, que ce soit le portable, le WhatsApp, le LinkedIn, les bleus, j'ai oublié de le dire, sont beaucoup sur LinkedIn, puisque c'est un réseau professionnel, donc ça, c'est intéressant. Si certains agents sont bleus, allez-y, lâchez-vous sur LinkedIn, vous allez en prendre. Les moyens de communication, et alors écoutez-les. S'ils parlent, vous êtes du côté extraverti. S'ils ne parlent pas, vous êtes du côté introverti. Et le rythme, est-ce qu'il y a de l'énergie, du dynamisme extraverti, ou est-ce qu'on est calme et autre introverti? Oui. Et une fois qu'on a découvert donc quel était le profil, après on adapte bien sûr son mode de communication. Voilà, on va adapter. Il faut quoi ? Il faut se faire des petites recettes de cuisine pour se dire… Non, moi je pense que c'est trop pour le cerveau. Je pense qu'il faut toujours avoir du bon sens. Maintenant, vous avez compris les quatre profils. Il y a le battant, il y a le type hyper relationnel, il y a le traditionnel et l'analytique. Oui. Ne vous stressez pas à dire, ah oui, ce type de client… À quoi on peut s'attendre? Comment on voudrait un client traditionnel? Qu'est-ce qu'il aimerait avoir en face de lui? Quelqu'un de traditionnel. Donc, ou en fait, par mimétisme, pensez, ah oui, celui-là est analytique, un client analytique, qu'est-ce qu'il voudrait? Tout simplement. Je pense qu'il faut faire simple, mais arriver à les détecter, c'est déjà pas mal. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est prédictif. Moi, je m'amuse énormément avec ça parce que vous allez voir que vous allez… Enfin, en tout cas, moi, j'ai certainement doublé le nombre de mandats que j'ai pris grâce à ça en m'adaptant aux autres. Et alors, point essentiel, c'est ce que tu disais, Thibaut, ça augmente énormément la satisfaction client et ça crée des super relations avec les clients, même avec les profils qu'on apprécie moins à la base. Je pense que le but, c'est d'aller chercher en soi la part de vert que l'on a, la part de bleu, tu vois, pour ne pas être en conflit et pour pouvoir s'en amuser parce que c'est de toute façon, pour convaincre, il faut être convaincu, pour aimer et être aimé, ben, il faut arriver à ce clic, hein. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de nous dire, à nous tous, agents immobiliers, allons chercher la part de bleu, de jaune, de vert ou de rouge qui est en nous en fonction du client. Et c'est juste du bon sens. Mais arrive à détecter. Et alors, surtout, Thibaut, ben, exerce-toi ce soir, dis, maintenant que tu sais ça, ton épouse, tu la mettrais dans quelle case? Parce que tu es jaune. J'espère pour toi qu'elle est analytique. Oui, tout à fait. Elle est plutôt du côté et peut-être. Oui, donc, maintenant. Voilà. Donc, par exemple, en couple, hein, c'est déjà la première base. Le noyau familial est assez amusant pour s'exercer. Moi qui suis rouge et mon mari est vert, mais moi, je suis hyper spontanée. Mon mari, lui, par contre, veut programmer tout. Et donc, comme lui est moins ouvert, hein, il est toujours à venir me demander, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'on va manger? Quel est le planning du week-end? Moi, en tant que spontanée, ça, en tant que rouge jaune, ça me rend dingue, hystérique. Mais toi, maintenant qui sais ça, si ta femme, tu la sais plus introvertie, vert ou bleu, tu la mettrais? J'hésite, effectivement. Ça mériterait de travailler plus longtemps. On a une question de Nicole. Ouais, comment se comporter à la première visite pour éviter des erreurs? Alors, moi, il faut savoir que j'appelle chaque client avant une visite. Donc, je fais ce travail. Donc, quand les gens veulent prendre rendez-vous, surtout maintenant que le Covid, de toute façon, on doit filtrer les visites, je les appelle un par un. Je pose énormément de questions ou je les écoute en fonction. Et donc, quand ils viennent, en général, je sais le profil qu'ils ont parce que, par exemple, une des questions que je pose, c'est « Quel métier faites-vous ? » Alors, je ne le fais pas d'emblée au téléphone. Ce n'est pas un interrogatoire. Mais en ayant raccroché, j'ai toujours leur métier. Or, le métier, alors, ce n'est pas une règle… Mais ça donne un bon indicateur du type de métier. Hein. Si vous avez un expert comptable, ce n'est pas la même chose qu'un prof ou qu'une infirmière, par exemple. Très bonne. La demande de métier, effectivement, permet de savoir comment s'exprimer. Effectivement, ça donne, il y a des catégories, il y a des évidences, effectivement. Ouais. Alors aussi, si je peux dire des choses non avouables, Thibaut, et c'était Nicole qui posait la question, ça restera entre nous. Hein. Oui. Moi, quand j'ai beaucoup de visiteurs que je sais que je vais vendre, je ne fais aucun effort. Mais aucun. Alors, je suis, moi, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que j'en perds et qu'eux ne comprennent absolument pas l'énergumène qu'ils ont devant eux parce qu'en visite, je suis très jaune. Et pour les autres, ben, je me lâche. Hein, c'est un show permanent. On s'amuse.
Voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment quand j'ai énormément d'amateurs que je peux être moi-même, parce qu'autrement, le risque est grand de ne pas. Oui, enfin, je trouve qu'il y a quand même une nécessité quand on est agent immobilier, c'est de s'adapter à son client. Hein, on doit tous le faire. Oui, mais c'est très dur. Alors, c'est quelque chose qui est très dur à faire, c'est énergivore. Alors, moi, ce genre de choses, je le pratique tout le temps, tous les jours. Je m'amuse parce que c'est un entraînement, en fait. Vous allez voir, ça va venir. Par contre, j'avoue que d'un point de vue privé, parfois, j'en ai marre, quoi. J'ai pas envie de m'adapter au côté vert de mon homme, mais je sais qu'il va vouloir avoir un planning. Et donc, quand je suis de bonne humeur, je le fais. Et puis, si je suis pas d'humeur, ben, pauvre. Et alors, aussi, je vous invite, si tu as des enfants et les agents ce soir, essayez un peu de voir quel est le profil de votre enfant, de vos parents, de vos frères et sœurs. C'est vrai. Parce que du coup, ça abaisse les tensions, les conflits, parce que ben, vous comprenez le mode de fonctionnement de la personne. Maintenant, de là à faire l'effort de s'adapter à elle. Non, mais déjà, on peut se donner ça comme objectif pour ces fêtes de fin d'année, c'est effectivement de comprendre un peu les profils de nos parents et de nos enfants, effectivement, ou de nos cousins, en tout cas de la famille. Ça va être c'est un bon exercice pour la fin d'année, effectivement. Ah, c'est très fun. C'est un bon exercice et c'est vrai que ça permet de peut-être, oui, de passer de meilleures fêtes. Ça, c'est une bonne idée, ça. On va faire ça. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop long pour ceux qui nous ont suivis. On a eu, ils sont restés quand même. Hein. Merci beaucoup d'être restés parce qu'il y a eu un démarrage. Merci à tous. Mais c'est un sujet passionnant. C'est un sujet, je le dis, passionnant. Certains m'ont dit, c'est vrai qu'on le survole parce qu'on n'a pas beaucoup, pas suffisamment de temps, mais en une heure, on a fait déjà beaucoup. Et je pense qu'il y a une clé dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que ça mérite que chacun aille sur Internet, aille voir tes vidéos parce que je sais que tu as beaucoup de vidéos que j'ai regardées qui étaient très intéressantes. Ouais. Donc, Evelyne Guillain, c'est pas compliqué. On va sur Internet, on te trouve immédiatement. Sur YouTube, il y a une playlist pro où j'ai mis les 4 profils et puis les erreurs à ne pas commettre sur les 4. Finalement, en voiture, c'est ça que vous devez écouter, les erreurs à ne pas commettre. Donc voilà, on peut te retrouver sur le web. Il y a plein de vidéos très intéressantes pour en savoir plus. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup, Evelyne. Merci d'être resté là. Merci. On a été un peu long, mais c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et ensuite.